Je suis extrêmement choyé d'être ici avec vous. C'est un honneur que j'ai de pouvoir parler de mon travail. C'est pas tous les jours que je peux avoir cette chance-là. Je vais tout de suite sauter dans le vif du sujet puis vous expliquer un peu d'où ce que je viens. Moi, je suis... ça, c'est moi. Moi, j'ai grandi dans une famille de potiers. Mes deux parents étaient céramistes. Ma grand-mère était céramiste. Mes parents ont appris chez ma grand-mère. Moi, j'ai appris chez mes parents. Je vais vous expliquer comment j'en suis venu à faire ça. J'ai toujours détesté l'école. La seule idée que j'avais à l'école, c'était de regarder l'horloge pour savoir à quel moment j'allais sortir pour aller jouer chez nous. Puis je me suis toujours demandé, c'est quoi ces espèces d'exercices où on nous met toujours dans la peau de l'employé? Moi, je me dis, moi, je ne veux pas être un employé dans la vie, je ne veux pas être un patron, je veux être un travailleur autonome. J'avais ça comme modèle chez moi. J'avais mes parents qui étaient là, 24 heures sur 24, qui étaient là avec moi. Une garderie, je n'ai jamais connu ça. Un service de garde, je n'ai jamais connu ça. Et je me dis, je vais aller en photographie. Ma passion à ce moment-là, c'était le photo-reportage. J'ai fait une photo, là, je suis désolé pour la qualité, c'est la photo que j'ai retrouvée. C'est une photo que j'ai faite il y a très très longtemps, c'était en 2001. Puis effectivement, j'ai fait des reportages un peu partout. Je me suis promené autant aux États-Unis, à Murdochville, j'ai travaillé un petit peu en photo aussi. Puis très vite, je me suis rendu compte que je voulais approfondir le travail. Je voulais pouvoir avoir une vision plus serrée de l'actualité. J'ai été faire un an en anthropologie à l'Université Laval. Même si je n'ai jamais travaillé en anthropologie, ça m'a permis de ce petit pas de côté, de regarder vers où la société s'en va, comment finalement on en est arrivé à où on est maintenant. Avec ce bagage-là, je me suis dit, bon, je sais que je ne vivrai pas de la photo, je sais que je ne vivrai pas de l'anthropologie, ça va me prendre un métier pour vivre, pour payer mon loyer, ma bouffe. Fait que la chose logique, ça a été de devenir travailleur autonome. J'avais ça comme référence chez nous. J'ai demandé à mon père s'il était prêt à m'apprendre. Sur le coup, il croyait pas du tout, parce que j'ai toujours juré à mes parents que je ne ferais jamais leur métier de pauvre. Et il a fini par comprendre que j'étais sérieux. On a passé un an ensemble. On a travaillé. Enfin, ensuite, je suis venu ici à Montréal. J'ai travaillé dans d'innombrables ateliers. Et tranquillement, je me suis rendu compte que le projet de la photo, c'était le projet du moment. Puis que j'avais pas forcément besoin d'insister là-dessus. Si c'était pas naturel, si ça venait pas, j'avais pas besoin de me culpabiliser par rapport à ça. Puis le choix de vie que j'avais fait d'être travailleur autonome, d'être artisan, d'être libre de mon temps, bien, ça me permettait de faire toutes sortes de projets. Fait que ce que je vais vous montrer, ça c'est mon projet du moment. C'est mon atelier. Fait que je travaillais ici, là, j'avais mes affaires là. En fait, tranquillement, pas vite, je me suis rendu compte que le temps que j'avais en dehors de mon travail me permettait de faire toutes sortes de choses. J'ai acheté un vieux bateau en bois, je l'ai rénové. Aujourd'hui, avec ma conjointe, on a acheté ce terrain-là, puis on a travaillé avec un architecte, puis on va reconstruire un triplex dans lequel on va habiter. Fait que je pense que si j'avais fait un autre choix de vie, j'aurais pas pu trouver l'énergie ou le temps de pouvoir faire ce type de projet. Ça a été fait cette semaine. La photo a été faite mercredi. On revient un petit peu en arrière. Je suis à Montréal. J'ai loué un petit espace dans un atelier commun. Puis là, je me dis, je vais me mettre sur le marché. Je vais commencer à faire ma propre production. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Quel type de peau je fais? Parce que toutes les possibilités sont là. C'est libre de vendre. Je dis, d'abord, qu'est-ce que je vais vendre? Je vais vendre un contenant. Qu'est-ce qu'on retrouve sur un contenant? J'ai regardé les contenants qu'il y avait autour de moi. Il y avait toutes sortes de choses décrites sur les contenants. Alors, j'ai commencé une collection avec les ingrédients, avec la provenance, avec les dangers que pouvait comporter. Je pensais tomber en bonne. Tenir loin de là. Puis, il y a une petite phrase qui est apparue. C'était une blague à la rigueur. Personne n'y croyait. Puis si quelqu'un aujourd'hui, en fait, à cette époque-là, il y a 12 ans, m'avait dit l'impact que ça aurait eu dans ma vie, je ne l'aurais tout simplement pas cru. C'est la petite phrase « Not made in China ». Sur le coup, c'est rien. C'est trois tasses dans le fin fond d'une exposition lugubre dans le fin fond de Québec.
Et aujourd'hui, ça m'a permis de vivre, ça m'a permis de faire mes projets, ça m'a permis de m'épanouir. Ce qui fait que très vite, j'ai vu l'impact que ça a eu sur ma clientèle. Les gens ont adoré ça. J'en ai fait. Tout le reste, j'ai mis de côté. J'ai que fait du Not Made in China. À un certain moment donné, il y avait juste du Not Made in China dans mes expositions, dans mes kiosques. J'ai eu énormément de retours. Je me rendais compte que le message que j'avais mis sur mes tasses, il parlait aux gens. Il y a des baby boomers qui venaient me voir, qui me disent « Moi, ça fait 30 ans que je travaille dans une usine. J'ai perdu ma job parce que ça a été... L'usine a déménagé ailleurs pour pouvoir avoir une meilleure rentabilité. » Il y a des gens qui venaient me voir, qui disaient « Moi, j'essaie d'acheter local, puis je suis content, je vais acheter ta tasse. » J'ai des étudiants qui venaient me voir, qui étaient touchés par ce message-là, puis qui sortaient leurs 5 $, puis ils venaient m'acheter une tasse. Fait que j'ai vu l'impact qu'un simple message pouvait avoir. Les gens qui repartaient avec cette tasse-là, ils repartaient avec le petit message. Fait que j'ai voulu pousser plus loin. J'ai surtout voulu faire quelque chose de francophone. Je ne vous mentirai pas, j'ai eu des plaintes à n'en plus finir comme quoi c'était juste en anglais. Fait que j'ai sorti C'est fait ici. C'est fait ici, c'est d'abord positif. C'est une phrase qui encourage au lieu de décourager. C'est pas que notre main channel c'est décourageant, mais c'est dans le négatif. C'est fait ici, c'est positif. Et même si ça ne dit pas où c'est fait, on sait tout de suite où c'est fait. Peu importe. Puis là, j'ai vraiment poussé sur l'achat local, la production locale, le marché local. J'ai sorti toutes sortes de collections. Je ne les ai pas ici, mais vous pouvez aller voir sur mon site. Je ne sais pas si vous êtes familier un peu avec les impacts positifs qu'a un commerce local. D'abord, j'en parlerai pas parce que je pourrais être parti pour des heures. Là, il y a l'aspect écologique de la chose. Je voulais pas l'aborder aujourd'hui. L'aspect que je voulais vous parler, c'est l'aspect économique. Si tout le monde achète local, tout le monde s'enrichit ensemble. Si tout le monde va acheter dans une grosse entreprise, c'est les actionnaires de l'entreprise qui s'enrichissent. Ce qui fait que moi, si je vais acheter une cuisine pour mon nouveau triplex, c'est un ébéniste. L'ébéniste, il va aller acheter des fruits chez la fermière. La fermière va acheter ses souliers chez un cordonnier. Bien, chacune de ces personnes-là part avec une matière première, crée une richesse, crée une plus-value, et tout ça, c'est un cercle, comment on appelle un cercle? Vertueux, merci. Excuse-moi, j'ai comme un blanc. Oui, achat local. Et c'est comme le point tournant. Il y a une chose aussi dans l'achat local, c'est qu'on a accès directement à la personne qui a fait ce qu'on a acheté. On a une histoire qui vient avec. On a une plus-value, oui, au niveau commercial, mais on a aussi une plus-value au niveau de la charge émotive qu'il y a dans un objet. La cuisine que l'ébéniste a fait dans mon triplex, ou qu'il va faire, je ne sais pas, bien, je le connais, je vais vivre avec lui, il y a une partie de lui toute ma vie. Si c'est une cuisine d'une grosse compagnie que je nommerai pas, c'est impersonnel. Ce qui fait que je vais vous raconter une petite histoire juste pour vous. C'est une fable, c'est vraiment arrivé, puis je vais vous dire après c'est à qui c'est arrivé. Ça, je ne sais pas où elle est arrivée. C'est mon atelier aussi, c'est pour raconter la production. Voilà. Ici, on a le bol de petite poutine. Tout de suite, ça éveille quelque chose chez vous. Ça éveille un souvenir. Ça éveille les étés en campagne avec la cantine. Il y a plein de choses qui sont rattachées, qui sont chargées dans cet objet-là. Pourtant, c'est un simple bol. Donc, mon histoire, c'est une petite fille qui a environ 10 ans. Et elle se passionne pour faire des cartes de vœux. Elle est tombée sur un gros stash de broderie, elle les découpe, elle fait du collage, puis elle vend les cartes, ça fonctionne super bien. Puis sa mère lui dit, ben, je pourrais t'amener le dimanche au marché aux puces, tu vas voir une petite table, installer tes cartes, puis les vendre sur place. Elle dit, ouais, ok. Fait qu'elle continue sa production, elle s'installe, puis ça fait un tabac. Au point où elle doit engager sa cousine, je pense qu'elle la paye avec des collants à cette époque-là. Puis ça marche du feu de Dieu. Jusqu'au jour où la propriétaire du marché aux puces, elle vient voir la petite fille et elle lui dit « J'ai un marché à te faire.
Si tu veux, je t'achète toutes tes cartes et je vais les vendre pour toi. Tu ne seras plus obligé de venir ici. » Puis la petite fille, elle dit « Ben oui, pourquoi pas? » Fait qu'elle part en production, rappelle sa cousine, fait les cartes, amène la boîte de cartes à la marchande, la propriétaire du marché aux puces. Puis le temps passe. La petite fille grandit, elle va au cégep. Finalement, elle se magasine des meubles pour son appartement. Elle retourne au marché aux puces. Puis ce qu'elle ne voit pas, c'est la boîte de cartes. Elle est pleine. Il n'y a pas une carte qui a été vendue. Pourquoi? Parce que les gens n'achetaient pas les cartes. Les gens, ils achetaient le sourire de la petite fille. Ils achetaient l'histoire. Ils se sont dit, je vais amener la carte. Je sais qui l'a fait. Je vais l'offrir en cadeau. Je vais pouvoir dire, c'est la petite fille de 10 ans au marché aux puces qui fait des petites cartes. Fait que c'est ça l'artisanat. C'est un produit qui est à peu près semblable à ce qu'on retrouve dans les gros magasins, sauf qu'il est chargé émotivement. On connaît la personne, on veut vivre avec, on veut l'avoir chez nous, cette histoire-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai poussé plus loin. Là, je vais parler un peu plus de ma façon de travailler, le côté créatif. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est difficile, ça paraît pas, mais pour moi, la poterie, c'est un travail. C'est un travail comme vous. Je me lève le matin, je m'en vais puncher, je passe la journée au atelier, puis à 5 heures, je rentre chez nous. Parce que c'est ça que j'ai eu comme modèle quand j'étais jeune. Fait que j'ai des grands défis à être créatif, puis à trouver des nouvelles idées. Un des trucs que j'ai eu, c'est que depuis 10 ans, en fait, ça va faire 10 ans cette année, je fais une tasse qui a un lien avec un élément de l'actualité. Cette année-là, c'était il y a 2 ans, il y avait un arrivée massif d'immigrants syriens. Je veux dire, je vais faire une tasse. Ces tasses-là sont numérotées, elles sont uniques, il y en a 100 à chaque année. Et les fonds qui sont recueillis avec ces tasses-là, je les remets à un organisme à chaque année différent. Donc là, ici, c'est écrit « Bienvenue » en arabe. Et l'argent qui a été recueilli, j'ai recueilli 1 500 $, je l'ai offert à un organisme qui fait de l'art-thérapie pour les immigrants syriens. Cette année, j'ai encore aucune idée qu'est-ce que ça va être. J'aime bien cultiver cette espèce de fébrilité, puis d'arriver au dernier moment, puis trouver quelque chose, un événement rassembleur que tout le monde connaît, puis qui va ensuite parler aux gens. Puis là, les gens, tranquillement, commencent à les collectionner. Sinon, en dehors de ma collection très engagée, on va dire, ou engagée, j'ai aussi toujours une collection qui est neutre, que tout le monde peut acheter sans devoir faire un geste politique. Je la change environ tous les 2-3 ans. En ce moment, c'est des petits picots. C'est quelque chose de très, très simple. Il n'y a pas besoin de s'engager. Il n'y a pas besoin de lire une thèse de doctorat pour comprendre. Et c'était les encres avant. Puis je ne sais pas ce que ça va être dans 3 ans. Probablement que le nouveau projet dans lequel je vais avoir mon atelier va m'inspirer pour ce nouveau projet-là. Mais ça reste que c'est toujours pour moi un défi de pouvoir créer quelque chose de nouveau. Puis je ne le fais pas en allant visiter des céramiques à gauche, à droite. J'essaie de me tenir assez loin de ce milieu-là. Je m'inspire de ce que je vois, de ce qui m'entoure, de ce que j'entends à la radio pour ce projet. Dernière chose, ça c'est mon environnement de travail un peu. C'est vu que le cellulaire, vite, il devient tout crasseux. Fait que j'ai un vieux téléphone que je peux utiliser comme je le veux. Si je peux me permettre, je vais vous proposer un exercice. Vous pourrez le mettre en place quand vous voulez. Je disais au début que j'étais un enfant qui adorait jouer, qui détestait l'école. Puis il m'est arrivé quelque chose il y a 2 ans, un petit événement de rien du tout qui m'a réveillé. Puis je me suis rendu compte, comme je vous disais, c'est un métier pour moi, la poterie. C'est pas une passion. Et puis, je me suis un peu perdu là-dedans. Je me suis oublié. J'ai commencé à travailler de plus en plus fort pour produire de plus en plus, de plus en plus. Puis finalement, le but dans tout ça, je me suis rendu compte que c'était pas tant de produire des masses, mais de m'amuser, d'avoir du plaisir dans ce que je fais. Puis quand j'étais tout jeune, mon père, il me disait tout le temps, « Hugo, faut que tu sois sérieux, t'arriveras à rien dans la vie si tu fais juste jouer de même, faut que tu te forces un peu à l'école. » Puis moi, je disais toujours, « Regarde, je vais faire mon bout de chemin comme je le fais. » Et récemment, j'ai eu besoin d'aide, il y a 2 ans, pour une production assez intensive dans mon atelier. J'ai engagé mon père, c'est toujours pratique, t'as pas besoin de former. Puis j'étais vraiment dans mon minding de produire. Puis mon père était là, il était à retraite, là, il faisait ses affaires de même. Puis j'étais là, go, faut que ça y aille. Puis il me disait, mais Hugo, relax dans la vie, là, faut que tu sois calme.
J'étais là, hey, come on! Il y a 20 ans, tu me disais qu'il fallait que je sois sérieux à mes affaires. Là, je suis sérieux à mes affaires, puis là, tu me dis de relaxer. J'étais vraiment frustré. Mais avec le temps, finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment raison. Il y avait raison parce que je m'étais emballé dans une espèce de production, puis de rentabilité, puis il fallait que j'en fasse plus, plus, plus. J'avais complètement oublié le côté fun, le côté plaisir, le côté je joue dans la boîte, parce que c'est ça mon métier en ce moment, je joue dans la boîte. Puis c'est ce que je faisais quand j'avais 8 ans. Fait que ce que je vous propose, c'est de retrouver quel type de jeu vous faisiez quand vous étiez jeune. Premièrement, vous avez, il y en a qui ont joué des blocs, il y en a qui ont dessiné, il y en a qui ont fait du vélo toute leur enfance. Mais de dire, ça, il est encore là, ce petit gars ou cette petite fille-là. Puis ce que vous faites aujourd'hui, ça probablement, comment je pourrais dire, ça vient de là. Fait que je vous propose d'essayer d'écouter ce petit gars ou cette petite fille-là, de voir aujourd'hui qu'est-ce qu'il peut vous parler, qu'est-ce qu'il peut vous raconter. Voilà. Merci beaucoup.